Le groupe ArcelorMittal, c'est le leader mondial de l'acier. Et avec 170 000 personnes dans la plupart des pays du monde, produit 100 millions de tonnes d'acier par an. Dès 2004, les premiers essais d'inspection avec des aéronefs ont commencé avec de petits dirigeables. De 2012 à 2015, nous avons fait les premiers essais avec des hélicoptères thermiques. Alors nous sommes un site industriel gigantesque, avec 300 bâtiments, près de 500 000 m² de toiture, 50 km de convoyeurs. Et donc l'utilisation des drones est une évidence. L'équipe de Cellule Drone est composée de 6 télépilotes, formés, habilités et qualifiés. Nous réalisons au quotidien des vols d'inspection, de calcul de volume de minerais ou de cartographie. Le gigantisme des installations d'ArcelorMittal nous demande d'être réactifs rapidement. Une des fonctionnalités très intéressantes du Mavic 2 Enterprise Advance, c'est la fonctionnalité Waypoint. Elle va nous permettre de pouvoir répéter des contrôles dans le temps et ainsi gagner du temps. Nous sommes dans des installations qui tournent en continu. Il faut se montrer réactif. La capacité de ce drone à répondre à ses besoins est primordiale de par sa légèreté, sa facilité de mise en œuvre, parce qu'il est doté d'une caméra thermique performante avec une caméra optique performante également. Grâce à l'utilisation de plus en plus fréquente de drones pour les inspections, pour les différents contrôles, pour des prises de vue aériennes, nous avons considérablement réduit l'appel à la sous-traitance depuis plusieurs années et nous avons également réduit l'utilisation de moyens d'accès en hauteur. Je pense à des nacelles automotrices, je pense aux échafaudages et je pense également à l'emploi de techniciens spécialisés qu'on appelle des cordistes. Avec l'utilisation des drones, on gagne un temps fou. Auparavant, il fallait envoyer des géomètres circulant entre les piles de matière. Avec les drones, en 1 heure, 2 heures, par la photogrammétrie, nous arrivons à obtenir donc des volumes très précis en limitant les risques pour notre personnel. Pour améliorer la sécurité des inspections, faciliter ces inspections et améliorer leur efficacité et leur coût. Toutes ces économies bout à bout depuis environ 2 ans nous permettent d'obtenir donc des réductions de dépenses comprises entre 100 000 et 200 000 euros. Sur notre site d'ArcelorMittal, nous avons plusieurs centaines d'hectares qui sont à l'état naturel. Le drone constitue un outil incontournable pour surveiller ces espaces naturels et en suivre l'évolution année sur année. Alors pour la préservation de cet espace naturel, ArcelorMittal nous fournit des moyens humains et des moyens matériels, notamment la mise à disposition du drone et du capteur multispectral. L'objectif premier est de gérer ces espaces qui sont extraordinaires et qui recèlent 10% de la flore française. Travailler avec les équipes de télépilotes d'ArcelorMittal est un vrai plus pour Ecomed, car nous travaillons en étroite collaboration et nous disposons de données très intéressantes. Les drones s'inscrivent comme des outils indispensables dans nos stratégies de mutation pour les prochaines années, donc la décarbonation, la digitalisation de nos process, de nos installations, tous les enjeux environnementaux qui nous attendent, et bien entendu pour tous les aspects sécurité du personnel, sûreté industrielle et fiabilité.